Historique, ils étaient 45 000 à Metz, 50 000 à Nancy, 10 000 à Verdun, 8 000 à Épinal, 2 000 à Saint-Avold, 3 000 à Toul. À Metz, un appel à manifester a été fait entre la place Mazel et la République. Vers 15 heures, le départ a été lancé derrière une seule banderole, derrière laquelle le club de la presse et ses journalistes locaux. Blandine Henry, secrétaire du club, qui nous rappelle l'importance d'y associer la police. Tout à fait, on y tenait particulièrement. C'est très important que la police soit représentée dans cette manifestation. Hervé Niel, directeur départemental de la sécurité publique. Pour nous, c'est très important d'être associé à cette manifestation, d'être là derrière cette banderole, parce qu'encore une fois, la police a payé un lourd tribut, comme malheureusement la presse et pas mal de nos concitoyens aussi. Je crois que c'est important qu'il y ait une unité complète. En plus, vous participez également au maintien de l'ordre et au service de l'ordre. C'est pas un travail que de manifester pour l'unité nationale, mais c'est effectivement un travail que de protéger cette manifestation. Et c'est leur manière aussi aux forces de l'ordre justement d'être présents dans cette manifestation finalement. Tout à fait, d'être entièrement solidaire de cette manifestation. Un seul slogan, pas de cris, peu de discours, puisque ce n'est pas une manifestation avec revendication. Jamais Metz n'a connu une telle affluence, comme nous l'indique Bernard Kratz, journaliste reporter du Républicain Lorrain, avec ses 38 ans de carrière. J'ai le sentiment que, comme à Paris, enfin, les gens se mobilisent. Moi, je trouve ça, franchement, formidable. Je trouve ça émouvant, je sais pas, c'est digne, c'est fort, je sais pas. J'ai l'impression que cette foule d'anonymes, là, moi, ça me rassure, ça me fait chaud au cœur. Et en plus, qu'ils le fassent pour défendre la liberté d'expression des journalistes, franchement, qui est quand même une de nos valeurs fondamentales. Je sais pas, moi, c'est... Aujourd'hui, je vis quelque chose, je suis presque content, je suis en fin de carrière, mais je veux pas remercier les canards d'or, les connards qui ont fait ça, mais... Quelque part, de vivre ce moment-là, c'est fort. J'ai vécu mai 68, j'ai vécu des tas de manifs, j'en ai couvert des manifs violentes, de revendications, de divisions. Mais là, voir une manif d'union, de communion comme ça, putain, mais je suis... Je sais pas, ça me fait du bien. Et aujourd'hui, je suis plutôt fier. Je suis fier de voir tous ces Français, tous ces Lorrains, tous ces Messins, tous ces Mosellans, là, tous unis, là. Et puis, surtout, personne ne veut l'instrumentaliser, finalement. Ils sont tous là, dignement. C'est du recueillement, du deuil, d'abord, pour la mémoire des familles, mais, des victimes, mais ça va au-delà, je crois. C'est un idéal. C'est marrant, mais là, les Français, ils ont l'air comme, je sais pas, qui est-ce qui disait ça à midi, là ? Ils sont médiocres au quotidien, mais alors, quand ça va mal, ils sont vachement grands. Ils sont bons. Quelques mètres après, la banderole regroupant les journalistes, ils étaient nombreux, élus de tous bords, ministres, députés, maires, sénateurs, mais aussi les représentants des différentes communautés religieuses. On retrouve parmi les manifestants, c'était essentiel d'être là aujourd'hui. Francis Cocher, ancien journaliste du Républicain Lorrain, membre du Club de la Presse, membre de Reporters sans frontières. Oui, absolument, parce que bon, on a été vraiment tétanisés là pendant 3 jours, 4 jours, et puis en fait, il s'est construit une série de récits différents qui ont été en s'amplifiant dans l'horreur, dans le questionnement, dans aussi qu'est-ce que c'est vivre ensemble, ce qui est en train de se passer, et on voit que ça resserre en fait énormément de liens. Sont des citoyens qui sont là aujourd'hui. Bon, nous, bien sûr, la presse, on est concernés, mais pas seulement. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus radical, me semble-t-il, qui est en train de se passer. Et que les gens viennent en famille avec les enfants, se réunir tous, moi, ça me semble vraiment très bien. Après le départ place Mazel, les manifestants sont remontés avenue Foch, entourés d'autres manifestants qui attendaient pour s'insérer dans le défilé. Place de la République, c'était l'heure du discours. Assemblés ici pour rendre hommage aux victimes des tragiques événements qui se sont déroulés ces derniers jours en France. Nos pensées vont aussi aux familles et à celles et ceux qui sont aujourd'hui encore entre la vie et la mort. Parce que l'heure est au recueillement, au respect et à la dignité, voici le nom des 17 victimes. Frédéric Boisseau, agent d'entretien, victime de l'attentat au journal Charlie Hebdo.
Franck Vincent-Laro, brigadier de police au service de protection, victime de l'attentat au journal Charlie Hebdo. Ahmed Merabet, policier au 11e arrondissement de Paris, victime de l'attentat au journal Charlie Hebdo. Jean Cabu, dit Cabu, dessinateur, journaliste, victime de l'attentat au journal Charlie Hebdo. Stéphane Charbonnier, dit Charb, dessinateur, journaliste, victime de l'attentat au journal Charlie Hebdo. Philippe Honoré, dit Honoré, dessinateur, journaliste, victime de l'attentat au journal Charlie Hebdo. Bernard Verlac, dit Tinius, dessinateur Charlie Hebdo. Georges Wolinski, dessinateur, journaliste, victime de l'attentat au journal Charlie Hebdo. Elsa Kaya, psychanalyste, chroniqueuse, victime de l'attentat au journal Charlie Hebdo. Bernard Maris, économiste, chroniqueur, victime de l'attentat au journal Charlie Hebdo. Mustapha Ourad, correcteur, victime de l'attentat au journal Charlie Hebdo. Michel Bruno, fondateur du festival Clermontois, rendez-vous du carnet de voyage, victime de l'attentat au journal Charlie Hebdo. Larissa Jean-Philippe, policier Montrouge, victime de l'attentat de Montrouge. Johan Cohen, victime de l'attentat de Vincennes. Yoav Atab, victime de l'attentat de Vincennes. Philippe Braham, victime de l'attentat de Vincennes. François Michel Saada, victime de l'attentat de Vincennes. Je suis Charlie, restera l'un des symboles de la liberté. Je vous invite à présent à respecter toutes et tous une minute de silence en mémoire de ces victimes. Un texte lu par Corinne Auburtin, toumetz.com et présidente du club de la presse de Metz, et d'Hervé Niel, directeur départemental de la sécurité publique. Corinne Auburtin, au micro de Jean-Louis Baudou de Radio Jéricho. Comment vous avez vécu ? C'était une organisation assez particulière au vu de, voilà, de des événements tragiques qui sont arrivés. L'objectif aujourd'hui était de rendre un bel hommage à toutes ces victimes. Comment vous avez ressenti cette marche ici à Metz ? Qu'est-ce qui émanait des rangs des manifestants ? Je vais dire pas grand-chose. Il y avait eu un énorme silence du début à la fin, tout le long de la marche, tout le long du discours. Donc c'est quelque chose de très émouvant. On a le sentiment que presque une demi-heure après la fin de cette marche, les gens sont toujours ensemble, qu'il y a une envie d'être ensemble et de partager des moments. Les gens, je pense, dans ce genre d'occasion, sont forcément unis. Et ils le sont restés du début à la fin. La seule personne à être intervenue, c'est Yann Lindingre, rédacteur en chef de Fluide Glacial et professeur aux Beaux-Arts de Metz. Je vous remercie. Je vais laisser maintenant la parole à Yann Lindingre.
rédacteur en chef de Fluide Glacial. Bonjour. Vous avez compris, moi je ne suis pas de Charlie, je suis de la maison d'en face, mais on est une grande famille. Mercredi matin à 9h, je devais rappeler Walensky qui devait me livrer un dessin pour l'anniversaire de notre journal. Willem avait déjà livré le sien. Et là, mon copain, le Fred Touron, qui est dessinateur, m'envoie un SMS en me disant « Tu en sais plus pour Charlie ?» Et j'ai deviné ce qui s'était passé, j'ai regardé les infos. Et là, je les ai appelés un par un. Allô, Willem, oui, je suis sain et sauf. Allô, Charb, est-ce que tu étais présent? Allô, Volin. Je laisse des messages sur le répondeur et au fur et à mesure, j'apprends les morts, les blessés. Voilà, ces gens sont des vieux compagnons de route. Mais eux, enfin je pense à eux bien sûr, je pense à tous les gens qui se sont retrouvés tués, des musulmans et ensuite des juifs. Donc il y a la presse aujourd'hui, il n'y a pas que la presse à laquelle il faut penser. Voilà. La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est Charlie, peut-être que tout le monde ne l'était pas il y a 15 jours. Je ne sais pas si demain ou après-demain on sera Charlie ou pas, mais en tout cas, il faut le meilleur service qu'on puisse rendre, c'est de lire la presse. Parce que les gens qui ont tué ne lisent pas plus la presse que le Coran. Il faut lire. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir assisté à cette cérémonie. Je vous invite maintenant à regagner dans la dignité et dans le calme, comme ça a été le cas jusqu'à présent et partout en France, vos occupations. Merci. C'est-à-dire, je suis un peu dans le. Au bout de 72 heures, c'est pas un deuil. Hein, donc, c'est le moment où les nerfs se relâchent un peu, mais je me sens journaliste. C'est-à-dire qu'il faut reprendre le boulot. C'est pas mon journal qui est visé, c'est de mes amis dans un autre journal. Il faut pas tout confondre. Je ne suis pas Charlie, je suis Fluide Glacial et je soutiens Charlie, mes potes, ils le savent. Il ne faut pas les se mêler de leurs affaires. Il faut les laisser se relever tout seuls en étant derrière. Et il ne faut pas les embrouiller, il ne faut pas les emmerder. Je crois que ce qui est beau, comme dans n'importe quelle douleur, drame, c'est que les gens se relèvent dignement et qu'on ne se mêle pas de leurs affaires. Voilà. Donc je me sens partagé. Je vous dis, là c'est le moment où ça retombe. Après la période de folie, de réaction tous azimuts, où on a essayé, en ce qui me concerne, j'ai essayé de faire mon travail, d'expliquer ce que c'est que le métier de dessinateur, à quoi ça sert, à quoi ça sert de rire peut-être. Aujourd'hui, on le comprend d'autant mieux. Il y a 15 jours, Charlie était à l'agonie, en train de faire la manche pour pouvoir survivre. Donc, si là, ils peuvent jouir d'une certaine
sérénité financière. Bon, je sais, j'arrive pas à trouver les mots, vous comprenez ce que je veux dire. Malgré le drame, tant mieux. Mais surtout, tant mieux si les gens se remettent à lire la presse, parce qu'on ne lit plus la presse. Et si, tant mieux si les gens se remettent à rire. Je crois que le drame, c'est qu'on ne se marre plus. Et le rôle du dessin de presse, c'est de faire marrer, point. C'est ni plus ni moins que ça. Et il ne faut pas prêter aux dessinateurs des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Il ne faut pas prêter à Michel Houellebecq des pouvoirs qu'il n'a pas. Michel Houellebecq écrit un roman. Les dessinateurs font des dessins. Ce ne sont pas des démiurges là, qui sont en train de modeler une nouvelle société contre laquelle ou pour laquelle on devrait être. Il faut que chacun soit à sa place. Là, il est question d'une guerre contre l'Occident, je ne sais quoi, je n'ai pas très bien compris. Et on ne s'en prend ni aux politiques, ni aux militaires, ni à la police. On s'en prend à des clowns. Et ça, c'est grave. Je crois que si on est Charlie aujourd'hui et si on l'est demain, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'on a bien compris qu'un dessinateur, c'est qu'un dessinateur. Et l'humour, c'est que de l'humour. Et si ça ne nous fait pas marrer, le dessin, on passe à autre chose. Et on y revient le lendemain ou sur le lendemain. Il y aura peut-être une autre blague qui nous fera marrer. Autre réaction. Il a fait partie des porteurs de la banderole du début de la manifestation jusqu'à sa fin. Jean-Christophe Raymond Dupuis de France 3. C'est pas trop dur, Jean-Christophe ? C'est pas grand-chose. C'est franchement pas grand-chose. Si on a mal au bras, c'est même pas de la souffrance. C'est juste un devoir. Parce que voilà, ce qu'il y a, c'est le moindre qu'on puisse faire, vraiment. Comment tu as vu ça, toi, de ton œil de journaliste, ces événements ? Tu as un regard particulier ? La même sidération que pour le 11 septembre. L'incapacité à comprendre, à saisir, être juste en état de sidération. Voilà, avec la radio allumée, la télévision allumée, l'internet allumé, incapable de comprendre ces 12 corps à terre, scène de guerre, des armes de guerre. Et nous, on a juste nos claviers, eux avaient juste leur stylo, leur crayon. J'ai essayé d'imaginer ça dans la salle de conférence, la conférence de rédaction du matin à France 3. C'est juste inimaginable. Alors, le métier revient au bout de 2 heures, 3 heures, mais l'incompréhension, elle est toujours là. Et la volonté de dire que non, notre travail, c'est aussi de faire comprendre qu'on a le droit de tout dire. Il y a des lois qui encadrent ce droit de tout dire. Mais dans le cadre de ces lois, on a le droit de tout dire et merde aux autres. Merci Jean-Christophe. À côté de Jean-Christophe, Dominique Hennequin, journaliste et producteur. Quel est un petit peu ton ressenti justement sur cette mobilisation? Je crois qu'on avait besoin d'être tous ensemble et de se retrouver, juste d'être présent. On a besoin de se toucher presque, d'être ensemble. De se sentir vraiment unis par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Cette marche était silencieuse et elle était très digne et très émouvante pour moi qui était derrière la banderole. Voilà, c'est un moment que je n'oublierai pas, bien sûr, en tant que journaliste et en tant que citoyen et en tant qu'homme. Parce que vraiment, on avait besoin de ça, je pense, aujourd'hui, d'être là tous ensemble. Et on a l'impression que les gens, ce soir, sont pas pressés de rentrer, finalement. Ben non, justement, ils ont besoin de se réunir. Là, on dit ce pays divisé, on dit ce pays en manque d'union. Et finalement, malheureusement, il fallait peut-être un événement comme ça pour qu'on se retrouve. J'espère que ça continuera. Il y a des échéances électorales. J'espère que tout ça ne va pas voler en éclats dans quelques jours, mais que vraiment, ce jour historique restera dans les mémoires et que quand on prendra position pour les uns, pour les autres, contre les uns, contre les autres, on y pensera, quoi, en se disant attention. Voilà. Peut-être qu'on a retrouvé notre unité, celle que, après laquelle on courait tant ces derniers mois. Et ça montre que le peuple français est un grand peuple, voilà, qu'on est un grand pays. Même si on n'est pas la plus grande puissance mondiale, on est un grand pays. À Metz, ils étaient 45 000 à dire « Je suis Charlie ». Pour rappeler les valeurs de notre démocratie.
RPL, les infos qui s'écoutent, qui se lisent, qui se regardent. RPL 89.2, la radio du pays lorrain.